J'ai envie de ressortir une archive parce que moi à l'époque avec le 1143 je suivais beaucoup. Je me rappelle de ton skyblog carrément. T'avais un skyblog et là j'ai envie de te ressortir un truc. Et t'es dur. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais, la banlieue c'est pas bon gros. Je t'annonce le tarot, ça monte pas bon. Y'a des tarés auxquels ils montent le tarot. Est-ce qu'il paraît? On met 1000 euros sur le panier, suis-je un bourgeoisé? On parlait de Naps, Naps qui est un ancien collègue de Koffs, ils étaient dans le même groupe, hein. Le 1143 c'était vraiment un groupe qui buzzait de fou à Marseille. Et voilà, il est arrivé, Koffs, comment vas-tu? Ça se passe frérot, et toi tu vas bien? Ça va très bien, ça nous fait super plaisir de te recevoir. Santé et bonheur qui est disponible depuis aujourd'hui, bien sûr on est vendredi, on retrouve 16 titres dessus. C'est ça. On retrouve 5 feats, on a Naps, tu connais très bien, c'est RBL bien évidemment, Caris, Kizzy également. Kamel l'ancien et Alonso. Il y a des feats qui sont évidents, il y en a d'autres qu'on a un petit peu plus surpris. Non mais voilà, t'as ramené du beau monde. Kamel l'ancien, ça faisait longtemps quand même. Ouais carrément, il avait arrêté le rap et tout. Il avait complètement arrêté mais c'est ça. Tu l'as sorti de sa retraite. De ouf. Il dit il est venu pour l'invitation. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ce qu'il revendique à fond. Parce qu'il est dans les sports de combat maintenant lui. Déjà mais c'est même pas ça. C'est que lui quand j'ai annoncé la tracklist et que les gens ils ont vu Kamel l'ancien, ils sont tous partis le voir. Bon alors c'est comment? Et ça l'a d'ores et déjà saoulé, tu vois, en soi. Tu as un projet, tu as un truc. Mais en soi, non, je te cache pas, il n'a pas de projet. Moi, personnellement, j'ai envie de travailler avec lui. Et je pense que je vais travailler avec lui, tu vois, par la suite. Tu t'es saigné à lui quand tu étais plus jeune. Ouais, on sent que c'est parce que tu as les moyens, tu t'es dit, vas-y, je vais me faire kiffer, je vais faire le feat que j'ai envie de faire. Exactement. De toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un mec qui va faire la musique que je veux faire, pas la musique que je dois faire. J'aurais pu inviter Pierre Paul-Jacques dans mon album pour avoir l'album de. Et quand je regardais tracklist d'aujourd'hui, que je saigne d'ailleurs, hein, mais quand je regardais tracklist d'aujourd'hui, mon gars, j'ai envie de te dire. Elles se ressemblent un peu toutes. Ouais, tu trouves qu'il y a les mêmes artistes? Ah ben justement, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, et je voulais un peu changer ce délire-là. Je me suis dit, bah, écoute, ça change un peu le fait d'avoir une personne, tu sais, comme l'avait fait Fianso à un moment avec le 93. Ouais. 93 Empire, ou faire revenir NTM. Faire revenir NTM, moi, Alpha comme 50. Je dis souvent. Ouais, exact. Voilà, Alpha 7, c'était ma génération. Mais NTM, ça, moi, c'était pas des mecs que j'écoutais, j'étais beaucoup plus jeune pour NTM. Mais en soi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah ouais, ils donnent la lumière aux mecs qui, aujourd'hui, se donnent encore pour la musique, qui font partie de la création de la musique, tu vois. Donc, aujourd'hui, on va pas appeler ça de la force, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de l'avoir dans mon album, et c'est une personne sur qui je me suis beaucoup inspiré. C'est un kiff personnel aussi. Ouais, puis c'est une manière de rappeler l'histoire. Mais même artistique aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que le mec, il est super chaud. Et moi, j'ai saigné tous ses albums, depuis Prenez Mino. Hier, on en a fait un freestyle. J'ai envie de te dire que tout le monde connaissait. Tu vois, c'est... Voilà. Parce que t'es toute la semaine sur Sky en ce moment aussi pour la promo de Santé et Bonheur. Tu nous reviens un an et trois mois après la sortie de V. Ouais. Là, tu reviens avec Santé et Bonheur. Ouais. On ressent aussi dans la cover... Et même dans la tracklist, dans la petite animation, on voit avec les feats, avec les balles, etc. Moi, quand je vois la cover, je me dis que tu vas aussi nous parler beaucoup, beaucoup de trahison. Enfin, c'est comme ça que j'ai pris à première vue, avant l'écoute de l'album, au niveau de la cover. Ouais. On voit, tu tends un verre de cocktail. À l'intérieur, il y a des balles. Le titre s'appelle « Santé et bonheur ». Je l'ai pris un petit peu comme les gens qui vont te souhaiter la réussite, mais quand, en fait, derrière, ils vont te casser. Est-ce que c'était aussi ça que représentait cette cover-là? En fait, la devise de ce mot-là, santé et bonheur, bon, j'ai mis que santé et bonheur pour pas, entre guillemets, choquer le public, mais à la base, c'était santé et bonheur, celui qui nous aime pas, il meurt. À la base, c'était ça la suite. C'est pour ça que dans la cover, je sais pas si tu as vu, parce qu'il est assez caché, je tiens le verre de la main gauche et mon canapé. Et à droite, de la droite. Ouais. Ça veut dire, en fait, c'était une façon de dire, voilà, en gros. Voilà, santé et bonheur, celui qui nous aime pas, il meurt. Après, c'est sûr que la trahison, les faux amis, la jalousie, c'est des thèmes que je vais beaucoup aborder dans mes thèmes, dans mes musiques, pardon. Et voilà, quand on soit... Tu connais, hein, tu sais comment c'est. Ouais. Ça va revenir souvent dans déçu, dans surtout. Quoi. Ouais, déçu. C'est un gros morceau. Sacré morceau. C'est mon morceau préféré, clairement, du projet. Qui arrive au milieu du projet. Non, mais il nous a tous mis corda, je crois. C'est 8. Quelque chose, je te cache pas, c'est quelque chose. On sent que tu as mis tes tripes. Mais là derrière, il y en a un qui est content parce qu'il me le dit depuis le début. Mon gars, faut clipper dessus, faut clipper dessus. Ouais, déçu, c'est un gros morceau. Ouais. Et là, on est dessus, je te cache pas, on est dessus. Donc déçu va être clippé normalement. Normalement. Juste, c'est incroyable parce que dans ce morceau, tu condenses tellement de thèmes, d'histoires, de trucs.
en fait, et sur le mot déçu en fait. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu dis, moi j'ai écouté le son, j'ai écouté plusieurs fois, et je me suis dit, en fait, il y a plusieurs morceaux dans ce son là, mais à chaque fois, t'es déçu d'un truc. Et t'enchaînes. Ouais, c'est comme des poupées russes. Condensé, en même temps, tu mets du groove, tu respires, et pour moi, ça m'a un peu rappelé un morceau de Biggie sans vouloir faire la comparaison et tout. Parce que, en fait, le gars arrivait à balancer plein de trucs, et à chaque fois, t'étais cordat sur ce qu'il voulait te raconter, sans forcément, quand tu prenais phrase par phrase, il n'y avait pas de sens. Et déçu, ça me donne grave ça, tu vois. Et j'ai kiffé la phase sur Mafia Kinfry et Lunatic. Ouais, celle-là, je te cache. Celle-là, elle est trop chaude. Celle-là, je l'ai sortie en impro, elle a fait. Celle-là, elle est chaude. Il fallait un pont, je dis, les gars, vas-y, je sais ce que je vais dire. Non, en plus, elle est longue et tout, tu t'attends pas à ce que tu reviennes dessus. Il y a la répétition aussi. Ouais, la petite répétition. Ça me fait plaisir parce que c'est un truc qu'on se dit en ce moment, et quand déçu, on a envie de le clipper, et j'ai envie de l'ouvrir au public. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, histoire de leur montrer qu'on sait faire autre chose que. Ouais, mais puis en plus, c'est peut-être un morceau où en plus tu peux mettre en avant ton côté acting aussi, parce que t'es acteur à côté. Ouais. Et ça, en fait, tu peux joindre l'utile à l'agréable sur ce morceau et tout. Complètement. Ouais, de toute façon, moi je le fais dans pratiquement tous mes clips. Et même avant Chouf, t'étais déjà dans l'acting. Exactement. Chouf, ça m'a performé, c'est-à-dire en termes de. Chouf de Karim Didry. J'ai beaucoup appris avec Chouf, qui fait qu'aujourd'hui. Je suis plus carré, on va dire, dans mes clips, tu vois. Mais mais pour revenir à déçu, on va essayer de le clipper, on va essayer de. Ça ne nous déçoit pas. Mais en fait, vous êtes juste en train de confirmer ce que mon poteau Sam me dit depuis. Voilà, Sam, on est d'accord avec toi, Sam. Sam, on est d'accord avec toi. Un bleu sang. Déçu. Au niveau aussi de ce projet, moi, je te cache pas que j'ai été étonné, agréablement surpris, comme je disais, parce que ceux qui connaissent Koffs en solo, on va dire, peuvent t'assimiler à Koffs qui kick avec une voix assez rauque, parce que t'as une voix assez différente, c'est ça aussi qui est bien. Et là, on te voit dans d'autres styles, je pense au feat avec Naps, je pense à Bellissima aussi, qui est des sons un petit peu plus ensoleillés, même des sons mélancoliques, même si dans V, il y avait quand même 2-3 titres où t'avais commencé aussi à chanter un petit peu. Comment t'as décidé de ramener ces nouvelles touches à ce projet-là? Je te cache pas que c'est selon les beatmakers, selon les prods que je reçois, et selon l'humeur surtout. C'est-à-dire quand je reçois la prod, et si ça tape avec l'humeur et j'ai envie de me faire un morceau comme Bellissima, et où je te fais, voilà, je suis à l'aise dedans, je vais le faire, je vais pas me poser de questions, tu vois. Et moi je suis un mec qui va pas mettre de code. Aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de codes, de rappeurs hardcore, d'autres trucs. Je mets pas de code, je fais la musique, j'ai une équipe. J'ai une équipe assez vaste et large pour avoir des avis différents. C'est-à-dire, moi, pour sortir un morceau, ça passe par, je dis une bêtise, mais une vingtaine d'oreilles différentes, et ça passe de père de famille à jeune de 17 piges. Et en soi. Moi, tu prends la vie un peu de tout le monde. Je prends la vie un peu de tout le monde, tu vois. Et je garde, en tout cas, les meilleurs morceaux. Je finis jamais un morceau comme ça. C'est-à-dire, je vais enregistrer un titre. Je l'envoie à l'équipe, ils ont pensé quoi? Si on me dit que ça pue la merde, je passe en chose direct. Et je travaille comme ça, tu vois. Là, t'as 16 titres, t'as enregistré combien de morceaux pour ce projet-là? Je pourrais pas te dire combien j'en ai enregistré, mais j'en ai enregistré vraiment pas mal. Comme je t'ai dit, moi, je les finis pas. C'est-à-dire, tous les sons qui sont dans l'album, c'est des titres que j'ai finis. En soi, je fais le premier couplet, le refrain, les gars, vous en pensez quoi? Ah ouais, ça, tu continues-le. Donc, c'est pour là. Pas t'épuiser. Soit, tu vois. Et des fois, je fais que le lien autour du refrain. Tu vois, j'essaie de m'économiser maximum. Ouais. Tu vois. On retrouve Naps, on le disait, bien sûr, Karis, Kizzy, Kamel, Lansa et Alonso. Comment se sont faites les connexions? Même si on sait que certains, tu les connais bien. Pour être clair, Kizzy, c'est un artiste qui n'a rien encore sorti, qui a rien sorti encore, mais que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très fort. Et tu as vu. Je suis pas un genre de mec qui m'avance. Je connais 12 000 rappeurs qui ont rien sorti. Mais là, pour le coup, si je m'avance, c'est que c'est pas pour rien. Le mec, il est très fort, c'est un talent de baiser. On a le même manager. Il m'a fait écouter, mon manager, à d'autres artistes. Donc en soi, il m'a fait écouter pas mal de personnes. Mais en soi, c'est la personne qui m'a. Ça m'a mis un coup, tu vois. Donc ça s'est fait naturellement. On était en studio. Je dis, vas-y, trouve-moi une grosse prod, on va faire un gros son. Et. Kizzy la vague. Pardon ? La vague, Kizzy. Kizzy la vague, The Wave. Et pour Naps, c'est Herbel Gang. Bien sûr. C'est le quartier, c'est Marseille. C'était une logique. C'était normal. Kamel l'Ancien, l'anecdote, bon, je l'ai souvent raconté. On s'est rencontrés, c'est-à-dire, il m'a envoyé un message sur Instagram et on s'est parlé. Les mecs de chez lui ont parlé de moi. Ah ouais, t'as vu le nouveau La Koffs, etc. Il a bien aimé le délire, donc il m'a contacté, on s'est parlé, sans pour autant parler de rap.
on s'est familiarisé, on a discuté ensemble, et on s'est trouvé beaucoup de points en commun, questions de principe, etc. Et du coup, un jour, comme j'ai dit, il a fait l'erreur de me dire « tu peux me demander ce que tu veux ». T'as demandé le feat. Je lui ai dit « je vais en faire un feat ». Feat direct. Mais de ouf, je lui dis, même, fini, c'est bon. Je lui dis même s'il faut que je le sors pas, je le fais. S'il te plaît. Ouais, juste le kiff. Et pour le ouf, kiff, ouais. Pour moi. Et tu sais pas ce que ça fait quand tu te retrouves devant quelqu'un. Que t'as écouté. Aussi. Ouais, même si je rappe pas, mais aussi. Rajoute ça, rajoute à ça le côté que tu rappes. Plus la connexion musicale, etc. Mais de ouf, tu te dis, ah ouais, putain, à moins de faire un truc. Surtout qu'il y a une pression parce que lui en fait il ressort de nulle part, il était il sait plus de rap, ouais. Il se déplace pour toi et tout, t'as dû te dire ah ouais là c'est encore plus chaud. Oui et non, parce qu'en vrai je savais qu'il fallait faire un bon son, ouais. Mais on s'était assez familiarisé. D'accord. Je vous dis ça. Ok. Tu vois. Et on retrouve également Alonso, c'est logique aussi cette connexion. Alonso, comme je dis souvent, c'est l'un des artistes, en tout cas, pour pas dire l'artiste, tu vois. Mais c'est l'un des artistes qui m'a donné la force depuis mes débuts. On se rappelle de ton titre Tracker qui était disponible sur Capo Décapi en 2015. Exactement. Il m'a donné la force, il me partageait. Ce qu'il a fait pour moi, laisse tomber. Ce mec-là, c'est il trop, a donné la force. Ouais, humainement parlant, c'est mon frère. Plan d'out. Et puis c'est emblématique de Marseille aussi. Ouais, mais de ouf, tu vois, il a pas fait ça pour tout le monde, en soi, je te dis la vérité. Tu vois, il y a eu un feeling, il a bien aimé. Comme pour moi aujourd'hui, ce que je fais entre guillemets pour Kizzy, tu vois. Toutes ces interviews pratiquement, il parlait de moi. Et le mec aujourd'hui, j'en suis là, j'étais avec lui il y a 3 jours. Aujourd'hui j'en suis là et c'est le plus heureux, c'est le plus fier le mec. Il est trop content, et mon gars me dit ah ouais mais Koffs, heureusement mon frère. Et tu vois, pour lui c'est logique. Ça fait plaisir, tu vois, forcément. Mais de ouf, de ouf. Koffs, t'es originaire d'Herbel. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Herbel, c'est la plus grande cité de Marseille. Sauf qu'à Herbel, en fait, il y a une mentalité spéciale. Soit t'es d'Herbel, soit tu ne l'es pas à Marseille. Et comment toi tu l'expliques? Parce que dans tes sons aussi, on le ressent, ça, qu'il y a cette mentalité-là. Il y a... Herbel, en fait, c'est comme t'as dit tout à l'heure, on est tellement nombreux. C'est tellement 7000, grand. Hein. Ouais, c'est une ville dans une ville, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Ça veut dire que c'est une ville dans la ville. Ouais. C'est un grand village, Herbel. Et c'est tellement grand, comme je t'ai dit, on s'est créé notre propre mentalité. On a notre propre mentalité, on a notre propre dialecte, c'est dingue. Nos mots à nous, on a nos, tu vois. Après, ça ne veut pas dire qu'on est fermé contre nous. Aujourd'hui, il y a des mecs de la cité d'à côté qui viennent et c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que Herbel, c'est grand et on a notre... tout le monde se connaît, tout le monde, tu vois, que soit même pour les rappeurs et pour les artistes. Naps, YKL, on est beaucoup, que ce soit YKL, Naps ou Sagaza ou les footballeurs, que ce soit Zinedine Machache, Yannick Sakbo, etc., Guy Demel, etc. Tout ça, j'ai envie de te dire, on se connaît tous. Et j'ai envie de te dire, pratiquement tous nos parents se connaissent. Tu vois, il y a un lieu de rencontre à Herbel, c'est le Mama Stadium. Toutes les mères sont là-bas au Mama Stadium. Tu as la mère de l'autre qui vient, l'autre la mère qui vient, bam, ils se ramènent le thé, les gâteaux, bam bam, et ils parlent tous ensemble. Tu vois, il y a une grosse connexion en tout cas. Mais de ouf, mon gars. C'est-à-dire que même nos parents, ils sont en connexion, mon gars. Mais c'est là où ça commence, hein. Mais de ouf. De toute façon, c'est pour ça qu'on se permet pas. Et c'est pour ça que ça, il n'y aura jamais, je pense, de problème entre nous. C'est qu'on a déjà, entre guillemets, un lien avec nos parents. Nos parents sont déjà liés. Tout le monde se connaît. Donc à un moment donné, si un parmi nous, et je me mets moi le premier dans la liste, se met à faire une dinguerie bizarre ou un truc comme ça, c'est même pas nous entre nous qui va régler, c'est les parents. C'est les grands frères. Ouais. Parce que tous des grands frères, et tous les grands frères se connaissent, et tous les grands frères restent entre eux, tu vois, en soi. Donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, il peut pas avoir de... Tu vois. C'est comme ça. Ça file droit à Herbel. Oui, il y a un nouveau clip qui est disponible sur ta chaîne. C'est bien sûr le feat avec Caris qui s'appelle Embourgeoisé. Je te propose qu'on se l'écoute tout de suite. Il est bientôt 1 million de vues d'ailleurs. Ouais. Bientôt le million. Ouais. C'est Embourgeoisé, c'est Koffs, feat Caris et c'est sur VL. 20 000 € sur le poignet, suis-je embourgeoisé? Papa, t'inquiète pas, ton fils est né pour chasser. Comme l'ange de l'amour, nous on va pas te menacer. Je te donnerai mon cœur, mon amour, même si au fond je sens que tu vas me lâcher. Et voilà, c'était Embourgeoisé, c'est le featuring, yes, avec Caris, c'est toujours disponible sur YouTube, bientôt le million. Donc continuez à regarder ce clip, c'est disponible sur la chaîne de Koffs. Nous aussi on veut s'embourgeoiser. Caris, tu nous as pas expliqué comment s'est faite la rencontre, parce que... Ouais, avec Caris, en fait Caris, on s'était rencontrés à 7 ans en arrière, 8 ans presque, ouais, en arrière, à Marseille, il avait fait son concert, et on avait parlé ensemble. Mais j'étais tout jeune rappeur débutant, tu vois. On parlait ensemble et
7 ans plus tard, bah, il a fait un snap avec, avec ma musique, en soi, tu vois. Et bah, bah, on s'est contacté, je lui dis merci pour la force. Tu connais via les réseaux sociaux maintenant. Ouais. Beaucoup plus facile de se parler. Ouais. On se rappelait toi. Merci pour la force, ouais, de ouf. En fait, non, il ne s'est pas rappelé de moi, en vrai. Et quand on s'est croisé la première fois à Marseille, c'était il y a eu un rapport bizarre. Ça veut dire quand on s'est revu, quand on s'est parlé sur les réseaux, on s'est rien dit, normal. Et quand on s'est revu à Marseille, à Paris, quand on s'est donné rendez-vous pour se voir, pour se capter, histoire de voir un peu la gamberge de l'un et de l'autre, tu vois. Ah ben il me regarde, il me dit oh, mais mon équipe me dit qu'on se connaît, toi et moi. Et c'était comment en fait cette première rencontre à Marseille quand tu étais jeune? Tu dis, il y a un truc bizarre. J'étais vif, disons que j'étais un jeune vif, tu vois. Ouais, la fougue. J'étais un mec, ouais, j'étais un jeune plein d'ambition. Et ouais, t'avais faim. Exact. Il me dit, on se connaît, toi et moi. Je dis, ouais, on se connaît. il me dit, ah ouais, mais c'est pas toi. Je dis, ah oui, c'était moi. Il m'a dit, mais tu étais plus fin que ça, non? Je dis, ouais, sans doute, tu vois. Il me dit, ah ok, là, bref, et voilà, après, on a quelques amis en commun, tu vois. Et du coup, tu connais comment ça se fait, tu vois. Et on a parlé de son, de musique. Et encore une fois, j'ai vu que le personnage en soi, c'était une bonne gamberge, une bonne personne, tu vois. Et bah, c'est pareil, un peu comme pour Kamel Ancien, un peu plus tard. Tu sais, on a tous Seigneur Noir ici, je pense. Oui. Album classique du rap français. Et qui a ramené un changement dans la manière de concevoir le rap aujourd'hui. Enfin. La trappe, ouais. La trappe, bien sûr. Et mon gars, ça veut dire que. Il y a un avant-après. Ouais, il y a un avant-après Or Noir, c'est clair. Hein. Donc forcément, ça. Et puis ça relance, ça a redynamisé aussi le rap qui était peut-être un peu. On avait peur que ça disparaisse, quoi. Et puis. Ouais, 2012, ça c'est compliqué. Exactement, bien parlé, ça c'est vrai. À un moment, on se disait, mais il va où là, le rap? Bah, vers les. Qui m'a inventé quoi là? C'est 2011, 2012, 2013. Hein. Ouais, c'est là où ça vraiment. Enfin, il y a deux écoles. À l'apogée, quand l'album l'apogée, c'est. On était entre la. Comment ils appellent ça? Le Dirty à l'époque. Le Dirty. L'old school. On était en plein section d'assaut et en F95 et ouais, il se passait plus rien de street. Ouais. On savait plus, personne savait. Ouais. Tout le monde se cherchait un peu et il est venu, il a inventé la trappe et aujourd'hui ça arrange pas mal de monde. Tu vois. Ah, c'est chaud. Et d'ailleurs, moi je voulais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je voulais dire sur le morceau. En fait, je commence à écouter le morceau, je vois un featuring normal, ça veut dire. T'as fait ton. C'est comme ça que je vois au début. Hein. T'as fait ton couplet, le refrain, tu lui envoies, il pose dessus et en fait. Il y a après la suite, la fin du morceau, où là ça commence à faire des passe-passe, un deuxième passe-passe. Et en fait, je me suis dit, déjà, Kaaris, il est au meilleur de sa forme sur ce morceau. Et en plus, Koffs, il le suit. Et en fait, je me suis dit, mais le son, il va jamais se terminer. Je pensais qu'il allait durer genre 6 minutes, tellement vous étiez chaud en passe-passe. Et allait faire sur Tupac, sur Biggie. Je me suis dit, mais en fait, là, vous êtes. Genre, le morceau, il a commencé comme un featuring classique, basique. Et après, il est parti en passe-passe, c'est incroyable. Moi, ça s'est passé comment, du coup? Tous les feats que je fais, si tu regardes bien, j'essaye de que ce soit avec SCH. Avec Alon, ça fait caractère. En soi, j'essaye de créer ce truc-là de mélange. Je fais pas un feat pour faire un feat, c'est-à-dire, comme tu as dit, je peux te faire un couplet et 12 mesures, après l'autre. Non, je veux vraiment ce côté-là où on mélange nos idées. Si tu as envie de prendre mes paroles, prends mes paroles, je vais prendre tes paroles. Tu vois ce que je veux? Moi, j'aime bien ce mélange-là. Il faut qu'il y ait une alchimie, quoi. Une alchimie dans le son, tu vois. Et en soi, là, par contre, je vous laisserai le doute parce que je vous dirai pas si on l'a fait ensemble ou pas. Mais en tout cas, il y a une sacrée alchimie dans ça. C'est bizarre, moi je pense que j'ai l'impression. À que... ton avis, on l'a fait ensemble? Moi, oui. Moi je pense que vous l'avez fait ensemble. D'ailleurs, tout à l'heure, tu dis que tu l'avais vu plusieurs fois. Ouais, moi je pense que t'as. Enfin, de ce que tu dis depuis tout à l'heure par rapport au feat que tu fais, je pense que t'es quelqu'un qui a besoin d'humain aussi, de contact humain, tu vois, où l'humain c'est important. Non, je pense que j'ai pas fait ensemble. Donc du coup, moi je pense qu'il y a moyen que pour qu'il y ait cette alchimie aussi. Enfin, si vous l'avez pas fait ensemble, ça a été beaucoup t'as fait en amont. Du coup, Koffs, réponse. Moi je pense que vous l'avez fait au tout, elle va à Paris. Vous l'avez fait ensemble. Qui est toi? Moi, en fait, je pense que vous l'avez pas fait ensemble. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je l'ai pas fait ensemble. En fait, j'ai l'impression que le morceau, il a été refait plusieurs fois. Chacun a repris le morceau et a ajouté sa patte. Et c'est pour. Enfin, selon moi, tu vois, le passe-passe, il s'est fait comme ça. Sauf si tu es en studio, il y a une magie de fou. Soit en fait, genre, il a entendu ça, il a repris ta phase et son enchaînement sur Nicki Minaj hein, pour arriver sur Biggie. Je pense que ça s'est plutôt fait comme ça, mais.
si ça s'est fait ensemble, c'est bien. Mais je pense que si tu nous poses la question, c'est que ça s'est pas fait ensemble et qu'il y a une douille. Ça peut être un piège. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est un piège. Non, en fait, elle est en train de te parler, je suis en train d'hésiter si je te le dis ou pas. Je te dis la vérité. T'es obligé de dire maintenant. Ouais, en fait, non, non, en soi, il a essayé de m'embrouiller. On sait, vas-y. Est-ce que tu m'as dit ça ou là, je le dis pas. Non, non. Mais toi, pourquoi? Ça, c'est le truc de fille. Ah, non, non. C'est le truc de Schmitt, de flic. Ça, c'est la sauce. Ne calcule pas, on l'appelle la sauce. Oui, on sait, non, on sait pas. T'es lancé, vas-y, j'y parle. Tu vois. Mais là, attends, et voilà, t'as mal fait. Et voilà, je peine balance. C'était dans le truc, c'était le morceau. Le morceau, en fait, on l'a pas refait plusieurs fois. J'ai posé mon couplet, j'ai fait le passe-passe. Je lui ai envoyé, il m'a renvoyé dire que son couplet se passe pas. Donc t'as laissé de l'espace. Tu lui as laissé, donc en fait, vous étiez déjà dans une dynamique de faire ça. Quand je fais un son, j'essaie d'avoir la vision entière. Je l'ai envoyé, je tiens, il a compris. Donc, il a compris. T'as un côté réalisateur finalement. Ouais, parce que pour se dire que tu vas savoir que... En plus, tu l'envoies à un artiste, tu sais pas forcément comment il va réagir. Tu te dis, ouais, donc toi, tu veux vraiment faire un passe-passe avec lui. Donc tu lui envoies des trucs directs avec les espaces qu'il faut. Et après tu le laisses, c'est fort quand même. Écoute, le passe-passe, on dirait qu'on a écrit ensemble. Ouais, bah ouais, c'est ouais, clairement. Le texte, ouais. Mais ça, c'est, les mérites ne reviennent pas du tout à moi. Même si j'ai réalisé entre guillemets le titre, les mérites ne viennent pas à moi, ils viennent à lui parce que quand j'ai reçu son passe-passe, je me suis dit bordel, mais il a répondu à chaque truc que je parlais en fait. C'est excellent. En fait, Gary, si tu le lances, il donne tout ce qu'il a, il est trop chaud. De ouf, après le refrain, j'avais fait une partie. Il a refait notre partie et... Oh, le cadeau, quoi. Ça donne ce gros son. Donc c'est limite, ouais, il y a un côté... Mais c'est parce que aussi vous êtes rencontrés avant et je pense que vous êtes capté dans le... C'est pour ça qu'il t'a capté dans le sens où... Je sais pas si vous vous rappelez du son entre Kalash Criminel et Jul. Et Jul, bien sûr, qui s'appelle. Ouais. Pareil, ils l'ont pas fait ensemble et pourtant c'était une alchimie de fou et t'avais l'impression, pareil, qu'ils s'assuraient. Plusieurs feats entre Kalash Criminel et Jul, c'était souvent des passe-passe. Je voulais te parler aussi d'un son, c'est le tout dernier qui s'appelle La Nuit. Ouais. Et dans ce morceau, tu dis: j'ai monté les marches de Cannes, ça fait pas de moi un je sais pas qui. Ouais. Justement, ça fait référence à ton film, enfin le film où tu jouais Reda dans Chouf. Est-ce que c'est possible de te revoir aussi au cinéma parce qu'on sait que t'aimes beaucoup jouer? On sait que t'as eu ce très beau rôle. Médiatisé comme Chouf, non, mais entre, j'ai fait, je crois, j'ai eu 4 rôles au cinéma, ouais. Entre depuis Chouf, tu vois. Que ce soit La Nuit Je Mens, ou que ce soit Le Retour de Paul Sanchez. Il y en a d'autres, mais. Et là, actuellement, t'es encore en train de bosser dessus. Ouais, le prochain film qui va avoir au cinéma, où je dois y être normalement, c'est Bac Nord. Un film sur Marseille. Donc sur Bac Nord. C'est qui le Real? J'ai oublié le blaze. Ah ouais. Ouais, ça parlerait. J'ai oublié le blaze, ouais. De la BAC, hein. En soi, ouais. Ça parle de la BAC. En fait, il y a eu une histoire une certaine année où les BACUS s'étaient fait attraper par la police des polices. Mm-hmm. Ouais. C'était les ripoux. Et on avait entendu. Ouais. Et là, ils ont fait un film sur eux. Mais le film est super intéressant parce que j'ai envie de te dire que parmi les réalisateurs, si je me trompe pas, il y a carrément les BACUS qui sont fait choper, quoi. Ah non. Mais au tournage, j'ai halluciné au tournage, j'avais vraiment les personnes concernées. Et moi, je kiffe ce genre de film où c'est basé sur du réel. Il y a de quoi en faire des films sur la police, aller checker Les Misérables, ce genre de truc. En France, on a des choses à réaliser là-dessus. Kof, j'ai envie de ressortir une archive. Parce que moi, à l'époque, avec le 1143, je suivais beaucoup. Je me rappelle de ton Skyblog, carrément. T'avais un Skyblog. Et là, j'ai envie de te ressortir un truc. Et t'es dur. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais, la banlieue, c'est pas bon, gros. Je t'annonce le tarot. Oh, c'est pas bon, y'a des tarés auxquels ils vont. Il est loin. On est calé, on est décalé. Tu trouves des cas et des camés qui font que. Et que canet. Ça, c'est le feat avec Gère. Hein, avec Gère, ouais. Qui était aussi dans le 1143. Et Gère, qu'on a retrouvé aussi avec Jules, qu'on a retrouvé qui continue. Là, qui est un petit peu moins dedans. Il est renseigné. C'est Marseille, hein, pour lui c'est Marseille. Il s'est un peu plus calmé suite à des raisons qui lui sont propres. Mais Gère qui était très chaud dans le 1143, tu sais. Le quartier c'est pas où il s'appelle. Le quartier c'est pas où, c'était un de mes premiers feats avec lui. Vas-y, on va en studio, on se fait un son, c'est pas le quartier c'est pas où. C'était une prod à l'époque de Mysterio, c'était. Ouais. Ah ouais, Mysterio. On était en kiff de ouf. Il y en avait. Je me rappelle aussi d'un gros freestyle Herbel avec tout le monde dedans. J'avais 6-7 personnes dedans, non? Je sais pas si tu te rappelles de ce morceau-là. Ah putain. Freestyle Herbel, ça date. Hein. Ça date, ouais. Ça date. Ouais, je crois que je vois c'est lequel.
Ouais, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Ben ouais, parce que nous, Hervé, on est tellement fous, comme je t'ai dit, qu'on est capable de dire vas-y, crée un texte sur poser. Et c'était comme ça au studio. C'est-à-dire, à la base, avec le 11-43, on a fait un freestyle. Vas-y, crée un texte. Donc l'autre a commencé comme mon gars là aujourd'hui, Sagaza, qui fait très bien sa musique, qui avance pas mal dans la musique. Comment t'expliquer ? Il a commencé à partir de ce son-là. Vas-y, il a écrit un texte. Vous l'avez mis dans le jus directement. Ouais. Mais il y en a plein, et je te jure, écoute bien ce que direct dans le chaudron. Les mecs, nous de toute façon, Herbel, on a toujours dit un truc, c'est qu'on savait qu'on avait un talent. On n'avait pas de lumière, mais on savait qu'à Herbel, entre Naps, YL, Corfs, Ger, Oussagaza, tout le monde, on savait qu'on avait un talent. Mais comment le montrer à la grande lumière ? Je me rappelle un jour, Naps m'a dit Fouad, rappelle-toi, on va vivre notre musique. Rappelle-toi de ça. Et nous, c'était au début. C'était comment, frère ? Déjà, on regarde même pas Marseille. Je te parle avant que tu bipettes. Et voilà, pour te dire qu'en fait, nous, on faisait rentrer dans nos freestyles tout le monde. En tout cas, tu me parlais de Naps. Ouais. Je te propose qu'on s'écoute le morceau Riolet, qui est tiré de ce projet Santé et Bonheur, disponible partout. Le son, il s'appelle Riolet, et c'est le feat avec Naps, c'est Koffs et c'est sur V. Je les entends miauler, ils ne savent pas qui on est. Okay. On a grandi au Riolet, pas les couilles de rayonner. Je les entends miauler. C'était le feat Koffs, feat Naps, Riolet. Voilà, on disait les nouvelles touches. Ça fait partie de ces nouvelles touches, hein, Koffs. Complètement, ouais. Mais après, il y a quand même l'univers Marseille. On va pas se mentir, ça fait. C'est la touche marseillaise. C'est la touche marseillaise. Frérot. Voilà, c'est ça. C'est important de représenter. C'est la touche Marseille moderne parce que t'as aussi une touche. Tu sais, Marseille très FF, très IAM. Avec des prods spéciales. Non. Écoute les prods de la FF. Oui. Et même que celle-là, mon gars, en vrai. Oui, non, mais ce que je dis, c'est art de rue. Ouais. Oui, art. Mais ça a une touche, ça a une touche Marseille, vraiment. Ouais. Tu vois, ouais, tu reconnais ouais, direct. Après, c'est vrai qu'il y a eu un Marseille avant Jules et un Marseille après Jules. Tu vas le lire ou pas? Mais même Jules, hein. Même Jules au niveau de ses prods, par exemple 635, l'intro là, c'est ça fait très même toi. Mais ça fait très FF. Moi, j'aime beaucoup quand il est dans ce genre de prod de un peu. Personne, ouais, exactement. C'est Pon qui faisait les prods de FF et la plupart des mecs de Marseille sont. D'ailleurs, putés. grosse dédicace à Pon parce que je sais que. Ouais, c'est pas très ouf en ce moment. Ouais, c'est pas très ouf. Grosse force à lui. Et il a fait avancer le rap aujourd'hui. Ouais. De ouf. Enfin. Grosse pensée à Pon. Ouais. Il a donné une vraie couleur et puis il fait partie de ces gars qui ont rendu aussi emblématique Marseille en fait. Complètement. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Koffs? Inch'Allah, une belle tournée. Je vais quand même essayer d'aller à la rencontre du bon public. Ouais. On va faire le maximum, tu vois. Et on va essayer de faire tous les. Chaque ville, quoi, en tout cas, toi, où ça le donne courage. Forcément. Ce serait bien. Ouais, mais tu sais, je suis assez terre à terre, tu vois. Donc je me dis, bon, on va commencer petit à petit. On va faire des petites salles. Et après. Après ça grimpe. Après ouais. Si on prend le bon truc, on fera ce qu'il y a à faire. Ça serait bien alors. Santé et bonheur également. Santé important. Et bonheur. Joie dans les cœurs. Complètement. Non, si vous n'êtes pas humeur. Mais après joie dans les cœurs pour ceux qui nous aiment bien quand même. Ça va.